Bon, la veille, on était ensemble, pendant qu'on était en train de faire les trucs de moto, là. Et puis, du coup, je suis rentré chez moi. Et puis, il était là-bas. Là où il a fait l'accident, il était là-bas, il m'a appelé la veille, parce qu'on s'est laissé la veille. On est resté, on s'est laissé vers 6h, 7h du matin, non. Voilà, donc, du coup, moi, j'étais chez moi, il dormait. Bouma m'a appelé pour me dire qu'il est avec Arafat dans le coin. Il dit, bon, il a le temps de prendre ma douche et tout. Pour le retrouver là où il était, les Bouma et tous les gars, là, tout ça. Donc, du coup, le temps d'arriver, Bouma me rappelle pour me dire que, ah, Oscar, il faut venir plus vite, hein, parce que le Yoro a chuté, qu'il n'y a pas bonne nouvelle. Parce que là, la façon dont il est couché, là même, là, c'est pas trop bon. Donc, de venir. C'est là, il a démarré ma voiture, chap, et je suis arrivé. Du coup, quand je suis arrivé, vous savez, mon ami était dans un très mauvais état. Donc, il était couché, il était étalé, moi-même, là. C'était versé sur moi. Sa moto était à côté, il était couché. On allait à l'hôpital, et puis voilà. On m'a dit de rentrer. Le lendemain matin, je me suis réveillé, je suis allé pour m'annoncer la nouvelle à partir de l'hôpital. Donc, c'est ça. Et c'était mon meilleur ami. Donc il m'a mis dans son bureau, il m'a dit, ah, Oscar, la vérité, hein. Et je te dis la vérité, ton ami n'est même plus ici au fond. Il est à la morgue de Tréville, il faut partir là-bas. Parce que vous êtes venu lui ici, hein. Donc il n'est plus ici, il faut aller à la morgue. Parce que c'est depuis hier, ton ami a rendu l'âme. C'est là que je suis arrivé à la morgue. Il a demandé à rentrer à la morgue. On m'a dit, non, que personne ne peut rentrer. Que personne n'a accès. Donc jusqu'aujourd'hui là, moi je ne crois pas que mon ami est vraiment mort parce que ça me dépasse au fait. Là ça me fatigue, j'arrive même pas à dormir. Mais parce qu'il me manque et puis j'arrive même pas à dormir. En fait, c'est comme si c'est un film au fait. C'est comme si c'est un film. Parce que j'arrive pas à croire que quelqu'un que vous mangez ensemble, vous levez ensemble, vous avez commencé à faire des mouvements de moto, les mouvements vraiment quoi. Et puis du coup on te dit que ton ami ne vit même pas. Donc à l'heure là même, là, ça me fatigue. Roulant, ça me fatigue, ça me wow même parce qu'il ne dort même pas. Ivoire TV, musique.